أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bon, c'est avec un grand plaisir que je suis ici. Frère a fait en votre nom une introduction et le salut par l'amour que nous nous portons en Dieu, alhamdoulillah. Que Dieu nous protège, nous guide et qu'il nous donne, bi'idhnillah ta'ala, la compréhension. D'abord la connaissance pour que nous soyons musulmans, la compréhension pour que nous soyons bien guidés et le discernement pour que nous nous soyons parmi les rapprochés, inshallah. Le sujet d'aujourd'hui, vous avez tout à l'heure parlé de la viande halal et d'un certain nombre de... Vous m'entendez bien au fond? Oui? Pas trop, il faut que je parle plus près du micro, c'est ça? Il y a un autre lieu où il y a des gens qui entendent, les sœurs sont ailleurs? Oui, ils entendent. Les sœurs sont en haut, donc on les salue également, même si on ne les voit pas, on les salue chaleureusement. Et donc en l'occurrence, je vais parler comme ça c'est mieux. Oui. Très bien, donc les frères ont... D'abord, une chose que je voulais vous dire avant de commencer, puisque nous nous préparons au mois du Ramadan, et nous savons que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était pendant le mois du Ramadan. D'abord, il était toute sa vie, il a été généreux, et pendant le mois du Ramadan, il l'était davantage encore. Et sa générosité n'était pas proportionnelle à son avoir. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salam, on le sait, avait peu et il donnait beaucoup. Et il savait que donner beaucoup, quel que soit ce que l'on a, c'est jamais perdre ce que l'on donne, mais c'est toujours gagner davantage en hasanat devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa générosité était décuplée pendant le mois du Ramadan. Nous allons tous entrer dans le mois du Ramadan, c'est une question maintenant de semaines et de jours, inshallah ta'ala. Et vous êtes ici dans un lieu, j'ai entendu et j'ai suivi tout ce qui concerne ce que les frères essayent de faire ici dans cette région avec un centre autour de la mosquée, un centre qui soit lié aux activités islamiques. Et je vous encourage et je vous encourage à le faire dans l'esprit d'une compréhension de la nécessité islamique aujourd'hui de faire en sorte que votre présence dans votre pays, la France est votre pays, vous êtes français de confession musulmane, ce qui va déterminer votre avenir, et vous entendez tout ce qui est en train de se passer. Vous voyez que les attaques changent de nature. Autant hier on pouvait être raciste de loin, autant on pouvait avoir un discours sur l'islam qui était de loin, maintenant ça peut aller jusqu'à la violence. Et vous avez entendu cette jeune sœur dont le bébé est mort alors qu'il n'était pas né, et que tout ce qui a été lié à l'acte lui-même, la façon dont on s'est pris à son foulard, la façon dont on s'est pris à sa tenue vestimentaire, montre clairement que c'est la nature de son vêtement islamique et de sa pudeur islamique qui a été la cause de ce qui a été fait. Alors nous, on ne va pas se plaindre et on ne va pas jouer aux victimes. Quelle est la meilleure réponse à tout ceci? La meilleure réponse à tout ceci, elle est de deux natures. La première nature, c'est de très bien comprendre nous, notre religion, et d'y être ancré. C'est ce dont on va parler en se disant... D'accord. Comprendre notre religion est, par exemple, dans notre pratique, comprendre l'essence même de notre pratique, c'est ce dont nous allons parler, par exemple, avec le mois du Ramadan qui vient, Inch'Allah. Mais la deuxième nature de réponse, c'est ce que, si vous lisez un livre que j'avais écrit il y a bien des années de cela, et je l'ai repris ensuite en reconsidérant les priorités, c'est l'institutionnalisation de l'islam et des musulmans en France.
Ça veut dire créer des institutions qui soient des institutions solides, qui ne soient pas simplement des mosquées, des centres, des espaces culturels, des espaces éducatifs. Nous devons avoir des institutions indépendantes, indépendantes financièrement, indépendantes politiquement, indépendantes religieusement. J'entends par indépendance religieuse que les questions qui sont liées à notre contexte français, elles viendront de notre vécu en France, non pas pour changer l'islam, ils ne vont pas changer. Les principes islamiques qui ne changent pas, notre prière, la aqida, les ibadat, el muharrama, tout ça, ça ne change pas. El wajibat, ça ne change pas, les obligations et les interdits. Par contre, la façon dont on doit gérer le lien avec l'environnement, tout ceci, il faut qu'on connaisse notre pays, c'est votre pays. Et pour ceci, on ne peut pas le faire n'importe comment. Il faut des gens qui aient des institutions, on doit avoir des gens qui sont éduqués, des gens qui deviennent des professionnels. Il faut institutionnaliser notre présence, professionnaliser nos actions. Institutionnaliser notre présence, professionnaliser nos actions. Ce n'est pas du dilettantisme, j'avais 2 heures de libre, j'ai fait. Non, si tu as 2 heures de libre et tu ne sais pas faire, fais pas. Mais si tu as 2 heures de libre et tu as la formation, si tu as l'expertise, eh ben on a besoin de toi. Mais des gens qui font que dans l'amateurisme, on ne peut plus se permettre ça. Les premières générations, ils sont arrivés il y a 50 ans, 70 ans. Oui, c'est normal, on commençait. Mais maintenant, c'est fini. Maintenant, on est la quatrième, cinquième génération. Maintenant, on a besoin d'institutions, de compréhension, de professionnalisme et de présence active. C'est les deux choses sur lesquelles on doit beaucoup insister en tant que musulmans. Et vous, aujourd'hui, vous avez parfois donné de l'argent pour des mosquées, donné de l'argent pour des lieux de culte. Maintenant, il faut mettre l'argent, il faut mettre la main à la poche pour les institutions. Comprendre que c'est maintenant l'âge des institutions, de la présence culturelle, intellectuelle, institutionnelle de l'islam dans ce pays. Et vous devez y participer. Donc quand on me dit, et quand je viens dans cette mosquée, on me dit, on a un projet, regardez, on a le terrain. Subhanallah, ala barakatillah. Maintenant, il faut y aller, il faut avancer, ça c'est votre travail. Et n'attendez pas que l'argent vienne de l'étranger ou d'un goût. Non, c'est pas comme ça qu'on travaille. L'argent viendra des gens qui sont ici pour l'indépendance financière, pour l'indépendance intellectuelle et pour la compréhension de notre islam ici, à la lumière de ce contexte. Donc ça, c'est votre responsabilité. Après Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'on dit toujours, vous connaissez ce qu'on dit, « Natawakkalu ala Allah, thumma ala anfusina ». Donc on s'en remet à Dieu, puis ensuite on se remet à nous-mêmes, Inch'Allah. Il faut travailler, ça fait partie de notre indépendance, donc c'est votre travail localement, et plus généralement, vous pouvez trouver du soutien. L'autre chose, c'est la première condition dont je parlais, c'est de comprendre notre religion. Parce que le mois qui vient maintenant, le mois qui vient est un mois qui est très très important parce que qui comprend le mois du Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le hadith al-Qudsi, c'est que le mois du Ramadan, il lui appartient. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un mois où je jeûne sans que personne ne le sache que moi-même. À la limite, je pourrais me cacher puis manger. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait même si vous ne savez pas. Il sait si je mange et il sait si je jeûne. Et il est prescrit le jeûne du Ramadan comme étant le lien qui, dans l'islam, dernière religion révélée, lie toutes les autres religions. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Ça a été prescrit pour vous comme il a été prescrit pour les gens. Donc il y a dans le secret du jeûne quelque chose qui est le secret de l'islam fit tarir, c'est-à-dire comment Allah subhanahu wa ta'ala, au cours de l'histoire, il a systématiquement donné une voie et une pratique. وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Nous avons donné à chacun d'entre vous une voie et une méthodologie, une praxis, comme on pourrait traduire ceci en français. À chacun d'entre vous, j'ai donné ceci, mais ce qui est commun à tous, vous le trouverez partout, c'est rien. Toutes les communautés spirituelles jeûnent. Qu'est-ce qu'il y a dans ce secret-là? Il y a la vraie compréhension de notre religion, c'est que rien, ça va être le fondement très très important de ce siyam, c'est la compréhension de ce qui est vraiment, fondamentalement, et le djihad au sens le plus noble qui soit. Djihad en nafs. Et ceci, dans notre société, il faut le comprendre pourquoi. Parce que certains d'entre nous, aujourd'hui, ils attendent le mois du jeûne du Ramadan. Inch'Allah, on dit que ce sera le 8, on dit que ce sera le 9. Inch'Allah, juillet. Et alors, on attend que ça arrive.
Et quand ça arrive, on arrête de manger, on arrête de boire. Et certains, ils arrêtent de manger, ils arrêtent de boire et ils arrêtent de dormir pendant la nuit, ils dorment plus pendant le jour. Donc il y en a qui font, le jeûne pour eux, c'est juste, je change les horaires. Oui, je change les horaires. Il y en a même qui prennent des vacances pour dormir le jour. Et il y en a qui partent en vacances pour que les jours soient plus courts. Et à partir d'un certain moment, on peut jouer avec les règles. On peut jouer avec les règles. Mais ce qui est le plus important, c'est de comprendre quel est le sens fondamental. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an » Le mois du Ramadan, c'est le mois dans lequel est descendu le Coran. Ça veut dire quoi? Dans ce mois-là est descendu le Coran. Inna anzalnahu fi laylat al-Qadr. Ça, c'est aussi le lien du lieu du ciel le plus élevé au ciel le plus bas. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, dans l'une des interprétations, le Coran avant qu'il soit révélé sur la terre sur 23 années. Ça veut dire qu'il y a dans ce mois qui va entrer quelque chose qui est une bénédiction, où tout ce qui est de l'ordre du mal et des démons est attaché, et tout ce qui est du bien et des anges est libéré. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait rentrer dans un mois où c'est un mois de la bénédiction. Mais faites attention, c'est tout le mois qu'est la bénédiction. Parce qu'il y en a certains qui se disent, je jeûne pendant la journée, je me tiens bien pendant la journée, et la nuit, yallah. La nuit, c'est le Seled Ramadan. Ça, dans nos pays majoritairement musulmans, il y en a qui sont jamais, ils n'ont jamais autant utilisé la télévision que pendant le mois du Ramadan. Donc nous, on comprend les règles, mais on ne comprend pas que si ce mois-là, il a été déterminé par Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est le mois où on va retrouver comme musulmans, comprenez bien, ce mois-là, en jeûnant, nous retrouvons dans le jeûne quelque chose qui est spécifiquement islamique, mais qui touche à l'universel de tous les messages. C'est là qu'on comprend le dernier verset qui vient dans le Coran. Ce n'est pas le dernier verset, mais celui qui annonce la fin de la révélation. Ce n'est pas le dernier verset révélé. « Liyaum akmaltu lakum dinakum » Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion. Alors, ce n'est pas simplement la fin de l'islam des 23 années, c'est « j'ai parachevé, toutes les religions vont s'arrêter là. » C'est le dernier « Khatim al-Anbiya », c'est le dernier des envoyés. Et tout ce qui est venu auparavant, c'est là que ça s'arrête. Et là où ça s'arrête, c'est que le jeûne qui a été prescrit par tous, pour vous, il est ce mois-là. Et ce mois-là de jeûne, qu'est-ce qu'il est? Le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran. « Shahru Ramadan wa shahru al-Qur'an ». C'est-à-dire qu'il va falloir maintenant se réconcilier avec quoi? Quand on dit « Shahru al-Qur'an », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va simplement se dire « chaque jour, je vais lire 1/30 du Coran. » Et il y en a, quand ils lisent le Coran, ils se disent 1/30, ils comptent les pages. Mais ce n'est pas ça, lire le Coran. Le Coran, ce n'est pas « je compte les pages qui me donnent 1/30 », c'est « je comprends le sens qui me donne la lumière ». Le Coran, c'est de la lumière, ce n'est pas des pages que l'on compte. C'est quelque chose. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit au début de la révélation, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, on va faire, il ne dit pas le poids du livre, c'est le poids des pages, c'est le poids du sens. C'est le prophète sallam qui en pleurait, inna hazal qur'an nadala bihuzn, il a été révélé avec de la, pourquoi, il y a quoi comme tristesse? C'est parce qu'il est porteur de sens. Attention, ce qui vient là, c'est lourd. Dans le langage de la cité, c'est du lourd. Mais c'est du lourd au niveau spirituel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez jeûner, il faut vous réconcilier avec le Coran. Et quand vous vous réconciliez avec le Coran, vous réconciliez avec le sens des choses. Pas le livre que l'on lit dans la quantité, mais le sens que l'on observe dans la qualité. La qualité. Et donc ce mois-là, c'est un mois où quand on va commencer à s'y préparer, il faut qu'on se prépare à quoi il sert ce mois. Qu'est-ce qui est le sens? Quand est-ce qu'on va se rapprocher de ce Coran? Ça dit, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que ce mois qui vient, qui est le mois du Coran dans lequel on va se préparer à la lecture, il doit, pour maintenant, parce que vous savez que dans deux cas, le hadith du prophète, il dit, « Man sama ramadan » c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il dit celui qui jeûne le Ramadan imanan, c'est-à-dire plein de foi, wahtisaban, c'est-à-dire avec conviction, avec engagement, Allah subhanahu wa ta'ala lui
pardonne ses fautes. Et il est